C'est surtout pour nous permettre d'abord de permettre aux collaborateurs et managers d'avoir plus d'interactivité dans ces modules de formation et leur permettre aussi de se libérer du temps et d'être vraiment acteurs de leur formation. Et ça me paraissait comme une évidence de travailler sur un couple entre e-learning et présentiel, puisque il y a quand même, si je prends l'exemple de la formation gestion de la coactivité et des entreprises extérieures, on a quand même besoin de faire passer des messages en présentiel. Donc le e-learning ne suffit pas, et le présentiel est devenu un peu trop lourd, par rapport à la charge de travail qu'a le manager aujourd'hui, quoi. L'avantage d'avoir utilisé ce type de formation, c'est que quand ils arrivent en présentiel et en salle présentielle, ils ont déjà fait leur module e-learning, donc ils ont déjà abordé et vu une partie des points de la formation, et ils vont pouvoir, au travers du jeu mis en place, se mettre en situation. Ça, c'est très important parce qu'on va rentrer tout de suite dans la partie acquis et on va créer des automatismes et des réflexes. Donc, on va gagner du temps. Le premier retour sur le e-learning a été très positif. Aujourd'hui, les managers se sont appropriés avec des résultats tout à fait corrects, voire très performants, alors que c'était une thématique qu'ils ne maîtrisaient pas, en 1 h 30 maximum. Donc déjà, sur le e-learning prévu, on a gagné du temps. Mais globalement, sur le format, si on regarde le format et le fond, on a atteint les objectifs dans le sens où les gens étaient satisfaits de la durée et des échanges qu'ils ont eus entre le formateur et les différents échanges qu'on a au niveau d'une formation. C'est là la force que nous on a récupérée au niveau d'Eming. C'est un seul interlocuteur, c'est une facette et une expertise sur ces problématiques très très intéressantes. Ben aujourd'hui, si vous travaillez avec nous depuis des années, je pense que c'est que le partenariat fonctionne bien. Et puis vous travaillez non pas que sur les formations, mais vous travaillez aussi sur la partie accompagnement, sur la gestion des accidents de travail. Je pense que le travail depuis des années nous amène aussi à collaborer, à se remettre en question. Et enfin, il est que bénéfique et nous permet aussi d'avancer de façon plus importante.